Mes grands rêves, je n'ai plus de repères. Mes grands rêves. Hey yo family, salutations à toi. En espérant que tu te portes bien, et ben écoute, moi ça va à merveille. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo réaction Migrant de rêve, la chanson issue des Tokos de Fally Ipupa, l'artiste. Et ben au jour d'aujourd'hui, je me suis résolu de faire une petite réaction hein, de par cette chanson. Pourquoi? Parce que je me suis senti concerné. Et pourquoi pas toi qui te retrouves en ce moment en Europe, en Amérique, partout dans le monde, loin de ton pays respectif, cette chanson te concerne directement ou enfin tous ceux-là qui nous suivent mais qui ne se retrouvent pas en Europe, indirectement, cette chanson également doit nécessairement vous parler. Family, eh ben écoutez, je félicite d'abord l'artiste de par le fait de mettre, on va dire, en chanson une réalité que bon nombre ont vécu et bon nombre poursuivent, on va dire, cette aventure et vivent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Eh ben écoutez, déjà c'est retrouvé à l'extérieur, s'est retrouvé loin de son pays, c'est très très difficile puisque les réalités n'y sont pas pareilles. Mais le fait pour l'artiste de mettre ça en chanson prouve à suffisance qu'il s'intéresse et qu'il est au courant, informé et qu'il compatit également. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un hommage qu'il rend tout simplement aux aventuriers que nous sommes, aux diasporas que nous sommes, en vue, on va dire, de nous apporter une certaine pierre, un certain réconfort de par cette chanson family. Plus particulièrement, tout cela qui se retrouve en Russie, soit dans n'importe quel pays du monde et qui ont été un tout petit peu roulés dans la farine, j'ai envie de dire, hein, en leur promettant mots et merveilles. Et une fois arrivés sur place, les réalités ont été tout autres. Et il y a beaucoup plus de personnes également qui ont été extorpillées, escroquées, leur dépourvues family et qui se sont retrouvées sans rien, affronter tout simplement le réalité auquel ils sont butés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je vous demanderai simplement d'avoir un moral d'acier, d'être fort de partout où vous vous retrouvez. Eh bien, écoutez, de par cette chanson, moi, je vous demande à tous, family, de ne pas perdre espoir. Certes, les réalités sont très, très difficiles, mais en sachant de là d'où nous venons, rebrousser chemin, ce sera impossible. Raison pour laquelle on se doit impérativement d'aller toujours de l'avant, de serrer les dents comme il le faut. Eh bien, c'est un message, on va dire, hein, de soutien. C'est un message qui doit vous donner du tonus simplement pour aller de l'avant. Eh bien, écoutez, on peut être roulé dans la farine, on peut se faire, on va dire, extorquer, extorpiller telle ou telle autre grosse somme en vous promettant que vous découvrirez l'Eldorado, ce qui n'est pas généralement le cas. Et à votre grande surprise, vous tombez sur une situation inattendue. Eh bien, quoi faisant, vous devriez impérativement l'accepter et aller tout simplement de l'avant comme un homme, prendre le taureau par les cornes et affronter la vie sans pour autant avoir vos repères. Mais on ne peut pas rebrousser chemin, comme je l'ai dit tantôt, on doit impérativement aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est dans la souffrance qu'on acquiert, on va dire, l'intelligence, la sagesse, ainsi que le fait de demeurer beaucoup plus, on va dire, ardu pour mieux encore affronter le réalité, les difficultés, le problème et mieux les solutionner, family. Grâce à cette chanson de Fally Ipupa, moi personnellement, je me suis senti concerné. Je me suis dit, pourquoi ne pas apporter, on va dire, un petit réconfort à mes frères qui sont un peu disséminés à travers le monde, qui traversent, on va dire, des situations beaucoup plus difficiles. Certes, il y a certaines personnes hein, qui diront, eh ben, écoute, Evie, cette chanson est destinée rien que aux personnes qui traversent la mer et tout et tout. Pas nécessairement, pas obligatoirement. Paix et quiétude à tout alors à toute personne ayant perdu la vie, j'ai envie de dire. Soit dans la mer, la traversée quittant l'Afrique pour l'Europe en quête d'une vie meilleure. Paix et quiétude aux âmes de toutes ces personnes-là. Mais à tous ceux-là qui ont espéré avoir une vie meilleure telle que les ont décrit, on va dire, telle ou telle autre personne, leurs aidants, moyennant quelque chose, en l'air extorpillant une grosse somme, eh ben, une fois arrivé sur place, ne trouvant pas, on va dire, ces mêmes réalités-là, c'est que personnellement, je vous demanderai simplement de vous battre ardieusement, de vous battre durement, pour pouvoir vous en sortir tout simplement. Puisqu'à savoir faire machine arrière, c'est souvent la pire décision qu'on puisse
prendre. Eh ben, écoutez, moi je vous incite toujours à aller de l'avant, à prendre votre courage bras le corps, affronter n'importe quelle réalité pour aller de l'avant. Du moment où il y a la vie, il y a de l'espoir, tout simplement, famille. Et plus particulièrement pour tous ceux-là qui se retrouvent déjà ici en Russie et qui se posent mille et une questions, dépendamment de la dureté de ces pays, dépendamment de telle ou telle situation beaucoup plus difficile, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est pas tard, j'ai envie de dire. La honte ne tue personne. Le fait pour vous de faire machine arrière, le fait pour vous de revenir à la case de départ n'enlèvera rien dans votre vie. À savoir, comme je l'ai dit tantôt, la honte ne tue personne. Vous pouvez nécessairement, on va dire, faire deux pas en arrière, un pas en avant, c'est toujours un avancement. Si vous sentez réellement que vous êtes bloqué et que la vie ne vous offre pas, on va dire, telle ou telle autre chose bonne que vous aurez espéré avoir, jusqu'au point où vous dire la seule solution est simplement de retourner chez soi, où l'on se sent bien, où l'on se sent mieux, où l'on peut reconstruire et repartir de zéro, tout en gagnant, on va dire, le temps qu'on a perdu, ce n'est pas impossible. C'est à vous de voir. Après, libre à chacune de personnes de prendre conscience de son avenir, de sa vie, tout simplement. De par cette chanson, moi je me retrouve là-dedans et bon nombre de personnes à qui la chanson parle nécessairement. De ce fait, je dis simplement coup de chapeau à l'artiste d'avoir lié l'utile à l'agréable, la réalité et que bon nombre ont vécu et beaucoup de personnes vivent en ce moment. Le maître en chanson, c'est juste un coup de maître. Merci à l'artiste, chapeau bas à lui. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimao, portez-vous bien. Ciao, ciao.